Salut tout le monde, c'est Gab Morrison là, en direct avec les frérots. Ça va ou quoi les gars? Yo, quoi, tranquille. Ah, on est là, je vais simplement vous présenter déjà. Alors moi, je suis Apache, membre de l'ENDS. Moi, c'est la Méduse. H-Gang, A7-0 Gang. Et je suis manager de MDSS. Et j'ai mon manager aussi. Et on est dans le quartier de Mireuil, ici présent à Place de l'Europe. Place de l'Europe, ici, ouais. Et je vais te faire visiter un peu tout le quartier, tout ce qui nous aide, les organisations et tout. On va pas t'emmener dans les endroits bressants, parce que c'est... Ils aiment pas trop être filmés. Ils aiment pas être filmés, voilà. C'est comment mon gars, tu reviens de la plage là ou quoi? Non, même pas, je comptais y aller, mais... Tu vas y aller, ouais. En plus, ici, c'est normal un peu là, avec la plage. Ouais. Tu peux y aller comme ça, là. C'est sur la côte, donc c'est bien. On a la plage pour s'amuser. C'est carré, alors. Il y a une île pas loin aussi, il y a l'île de Ré. Il y a un pont qui nous sépare. Le pont, c'est 8 € le péage et on passe le pont et après, voilà. Quoi. C'est beau, là, vous. J'ai pas le bac à l'école, on m'a dénigré. On m'a dénigré. Je suis dans le bloc à négro, mes crash, j'vends des litrons. J'vends des litrons. Ya, yeah, ya. Yeah. On verra c'est qui le plus malin. Hey, hey, yeah. Wow. Vous avez commencé quand en fait la musique? Vous avez des groupes en plus, c'est... ça s'est fait comment tout ça? C'est que moi je suis arrivé il y a 4 ans. Et il y avait déjà un groupe ici qui s'appelait HKBA. Mmh. Et je les ai rejoints par rapport à... On aimait bien chacun notre style de musique. Du coup, on a décidé de faire un groupe, faire un 7-0 gang et représenter tout le quartier ensemble. Et du coup, il y a eu des histoires en dehors du rap. Du coup, on est plus qu'à deux. Après, il y a la M2S qui est arrivée récemment. Nous, c'est 5 ans, on les a vus rapper, voilà. On a fait un freestyle aux boîtes, ils ont kiffé. Ça, tu connais, hein. Après, ils ont fait un clip. Après, lui, il nous a rejoint parce que lui, il était pas là au début. Ça dit quoi bien? Tranquille, hein. On a fait un clip, ils ont fait un clip, ça fait un bon buzz quand même. Ils sont bien connus dans le quartier. La rue c'est dangereux la nuit, laisse pas y traîner ta nana. La concu j'abaisse nananière, c'est la M de ma gueule qui va gérer les jazz. La rue c'est dangereux la nuit, laisse pas y traîner ta nana. La concu j'abaisse nananière, c'est la M de ma gueule qui va gérer les jazz. Et du coup, le quartier, il est situé où un peu là dans la ville en fait? On est tout en haut, je crois. Tout en haut, je crois. Parce que pour aller en ville, il faut descendre. Pour aller vers Villeneuve, faut descendre, ouais, aussi. Là, c'est plus vers le sud. Nous, on est vers le nord. Hein. Nord. Et il n'y a que la ville qui sépare entre Mireuil et Villeneuve. Ce qui fait que des fois, on se rencontre en ville. Ce que tu dis sur nos mages manières, l'inspiration n'a pas d'époque, donc je sais pas pourquoi tu me parles d'âge. Là c'est le site du quartier, c'est ça? Ouais. Et vas-y, ça joue bien ici ou quoi? Ouais, ça joue tous les jours, on fait des tournois, on s'organise. Parce que là c'est éteint un peu maintenant. Il y a une grosse, rivalité Mireuil-Villeneuve à chaque fois au foot. Ça finit en bagarre des fois. Et c'est tout. Bah, on se retrouve tout le temps ici, on fait du sport là, vers les sables là. On fait des tractions et tout. Après c'est tout. Il y a des joueurs un peu qui ont signé, qui viennent... moi j'ai signé un contrat de manager. Lossa il a signé en maison de disque. Après c'est tout. Il n'y a pas vraiment de rappeur qui a pété à La Rochelle. Et au foot il y en a, ils ont. Bon. Au foot il y en a. Ah, j'en connais. Il y en a Oufel, il joue à Fontenay. Il y a Alexis Mané, aussi il joue à Nantes, je crois. Il y a Carvalho, Mathis Carvalho. Et là il joue à Montpellier. Carré, vous êtes de quelle origine? Parce que toi, on m'a dit c'était Guyane. Ouais, je suis Guyanais. Guyane française? Ouais, Guyane française, exactement. Toi, mon ref? Moi, je suis Ivoirien, tu connais. Ivoirien? C'est Légalais. Au calme, mais au quartier, on retrouve quoi un peu comme, comme pays? Beaucoup d'Arabes. Beaucoup de riffs. Beaucoup d'Arabes. Beaucoup de Marocains. Bon, il y a un peu de tout, mais moins de Renoir. Tu vois? Ah ouais, je capte. Et vous, dans vos clips, on voit ça s'inspire un peu de ce qu'il y a à Paname et tout, non? Niveau ambiance, style et tout, là. Surtout la M2S en plus, non? Ouais, bah à la base, nous, les trois, on vient de Paname à la base. Moi, genre, ça fait 4 ans que je suis ici. Voilà. Là, j'ai atterri ici, après, voilà. J'écoute beaucoup de rap de Paname. Bah, c'est lui le big boss. Lui, c'est le tonton du quartier. Hamzouz. C'est ouf. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Il a fait beaucoup pour le quartier. Beaucoup. Pour les jeunes surtout. Il les emmène hors du quartier. Les jeunes qui sont en difficulté, il les aide. Et je lui ai laissé présenter aussi. Moi, Hamza, je suis éducateur. Je travaille
travaille au centre social là, juste à côté, sur Mireille. Ils abusent un peu, hein. Je suis pas dans rien du tout. C'est la tête à voir dans le quartier. Non, je fais juste mon travail, hein. C'est les petites chez nous, donc faut faire ce qu'il faut. C'est quoi, c'est le 9 ici du coup? Ouais, là c'est le 9. On va dire que c'est le centre du quartier un peu. Hein. C'est le plus gros. Un bâtiment sous CR, il y a eu trop de trucs. Il s'est passé trop de trucs ici. Depuis, les gens ils ont plus trop le droit de traîner, rester devant comme ça. Ah ouais? Sinon ils vont se faire soulever par les gueules. Vas-y, c'est le plus grand bâtiment ici ou quoi? Parce que je vois. Non, le 18. C'est le 18, le juste derrière. Mais là-bas aussi, il faut pas trop filmer, je pense la brasse là. Ouais, je capte. Et pour les gens qui... Tu sais, il y a plein de gens de Paname, ils vont regarder la vidéo. Enfin, je dis Paname, mais même les autres villes, ils connaissent pas trop La Rochelle. Ouais. Vous leur direz, c'est comment les quartiers à La Rochelle? Ça, moi, quand je venais d'arriver ici, je croyais en mode ça allait être campagne, tout ça. Parce que moi, je croyais qu'il y avait que Paname où il y avait des quartiers, tout ça. Mais en sérieux, non, il y a des quartiers partout. Et vous, vos premières impressions quand vous êtes arrivé ici, c'était quoi? Bah moi, je me suis dit franchement, déjà c'est bien accueillant ici. Tu arrives ici, les gens ils t'accueillent bien et tout. Franchement, si tu fais pas le schlag, tu fais pas le con et tout, les gens ils te regardent pas, ils font pas des trucs de bâtard, tu vois. Mais après, si tu fais le con, c'est normal comme dans tous les quartiers, tu vois. Et ici, je suis arrivé ici, les gens ils m'ont bien accueilli, ils m'ont mis bien. Ensuite, je suis parti d'ici, j'étais obligé de revenir ici tellement j'étais bien ici. Mais après, voilà quoi. À force d'y rester, ça t'habitue, voilà. Et toi, mon rêve? Moi, au début, je suis arrivé. Ma mère, elle a un peu vécu ici quand elle était jeune. Et genre, en mode, elle m'avait dit que c'était ghetto un peu. Et du coup, vas-y, hein, je suis habitué. Hein. Et les clips, vous avez fait ça de quel côté du quartier, en fait? Toujours là. Toujours là, ouais. Les clips ici. Ouais, c'est diversifié pour les prochains sauts. Tous les clips on les a fait ici parce que on aime bien foutre un peu le bordel et tout. À chaque fois qu'on fait un clip ici, il y a toujours des clips qui arrivent, ça remplit le quartier avec. Ensuite on a fait des clips dans ce bâtiment là et plus derrière là. Jusque vers les gens. Ouais, bah, c'est changer de décor. Ouais, voilà. En plus vous pouvez clipper à la mer facile. Hein. Ouais, ouais, voilà, faut qu'on clip en dehors du quartier. Après c'est plus. C'est plus quand on va faire des sons qui ambiance. Voilà, des sons qui ambiance et tout. Là pour l'instant on fait que des freestyles, histoire d'alimenter, faire du public et tout. Et à qui d'autre à part vous comme rappeur ici là, à Mireille? À Mireille, il y a la Crappy Banks déjà. La Crappy Banks. Il y a mon cousin, il est dedans. Il y a. Voilà, il y a la vitesse de mon groupe à 7-0 Gang. Il y a d'autres petits qui sont derrière qui veulent rapper aussi. Mais ça on attend encore. Et ça fait plaisir franchement. On était que quoi, 3 personnes à rappeler à Mireille, maintenant y'a tout le monde qui rappe, c'est bien. Ouais. Y'a ceux qui tapent, y'a ceux qui payent, y'a ceux qui stèsent et y'a ceux qui boucavent. T'es que michto, rien que tu grattes, tu te craches tout dans la chasse, tu te donnes pas de bouquet. Y'a ceux qui tapent et y'a ceux qui rétient. Moi quand je rappe, je fais pas cinéma, je suis sur le raté, j'ai la frappe à Zinedine. Et j'encule tous ces camps dès qu'ils menacent. Là y'a une question, je vais vous poser un peu chacun votre tour. C'est quoi le dernier son que vous avez écouté? Toi c'est quoi? Dernier son là? Sans mentir. Moi je me rappelle même plus. Hein. PTC4, il a fuité. Fais pas le malin, ça va gifler. Tellement fort, tu vas zapper ton couplet. Arrêtez de me téléphoner, je suis occupé. Moi le dernier son, je crois que c'était JKSN. Pas de grâce à l'aspro. Cric, accélération. Les racines, pas de récupération. Au corner, pas pour la célébration. Moi c'était. Nino Filon. J'ai monté mon cartel tout comme Pablo, la zipette passe par les airs, je suis dans le clash G, avenue Montaigne. Et y'a des rappeurs un peu qui vous inspirent ou des trucs comme ça? Moi c'est plus les rappeurs qu'Henry qui m'inspirent. Et j'écoute beaucoup de Nino. Sinon à part ça. Et vous moi, les gars? J'écoute beaucoup de Henny. Après tu connais les rappeurs pas trop connus, genre JKSN, VKM. Ils font de la bonne trap. Ou sinon, moi, mon groupe, elle de les gangs. Hein. Ah, ils sont chauds, hein? Ouais. T'as mon ref? Ouais, il y a la LDB, la SDR. Tu vois, des groupes pas trop connus, mais genre en mode, ils font de la bonne trap. Moi, j'aime bien ça, hein. C'est carré. La dernière question, les gars. Dernière question que j'ai à tout le monde dans chaque vidéo. C'est quoi votre équipe de foot préférée? Moi, c'est le PSG, hein, je connais. PSG, ouais. Moi, je kiffe le PSG, hein, mais c'est réel, hein. Bah voilà, moi c'est un peu ça. Genre, moi je supporte le PSG, mais l'équipe qui fait bander, c'est le Real, voilà.
PSG. PSG aussi. PSG tout court. Et en plus, La Rochelle, c'est un truc, c'est une ville de rugby un peu, non? Ouais, voilà. On est malin en plus, hein, voilà. Ah, Stade Rochelais, premier classement. Nous, on suit pas le rugby, apparemment. Moi, dans mon lycée, il y a full up de rugbyman. Genre, moi, dans ma classe, ils sont neuf, tout ça, champions du monde. Ils veulent que flamber. Vas-y, c'est carré, les gars. Vous avez des réseaux sociaux, Insta, Snap, tous les trucs comme ça ou quoi? On peut vous suivre. Medusa 170, M2S 170, Crapule Banks. Ouais, ça a changé la MDS officielle sur Instagram. Ouais. C'est carré, les gars. Merci à vous en tout cas. Grosse force à vous. On est ensemble. Abonnez-vous. Sale patio au chromé, sale bâtard, le faux et les bros sont normal que je sois cramé. Accompagné de mélo sans enculé, les mains depuis petit déterre comme à l'armée. À la coucu, ma gueule, j'ai fait l'amour. De mon sperme, je lui laisse un goût amer. C'est la M de ma gueule, regarde à nous. On est bouillant sur la vie de ma mère.